J'avais tellement faim qu'en octobre 1944, j'ai fini par manger des bulbes de tulipes. La famine ne peut pas modifier directement les gènes, mais nous pensons qu'elle peut entraîner leur activation ou leur inhibition. On peut même aller jusqu'à dire qu'une consommation plus importante de certains aliments et l'activité de certaines enzymes peuvent influer très fortement sur l'activation ou l'inhibition de gènes bien précis. D'après les connaissances que nous avons pu recueillir, essentiellement grâce au système modèle, il apparaît que l'environnement peut avoir une influence sur les gènes. Cette influence peut ensuite se transmettre aux générations suivantes. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Notre alimentation nous caractérise. Elle peut jouer sur notre apparence, sur notre comportement. Tout cela est bien connu. Ce que nous savons moins, en revanche, c'est qu'elle a aussi un impact sur nos gènes. C'est le domaine d'une science relativement récente, l'épigénétique. Annabelle et Gemma Molero sont originaires de Barcelone. Ce sont des jumelles issues du même œuf, absolument identiques génétiquement. Des sujets parfaits pour étudier l'influence du mode de vie sur l'apparence d'un être humain. À l'âge d'un an, Annabelle et Gemma se ressemblaient encore comme deux gouttes d'eau. Quand on était petites, on vivait ensemble, bien sûr, avec nos parents. Après nos études, on est parties toutes les deux vivre en Angleterre. Moi, j'y suis restée un an. Ma sœur, elle, est partie au Mexique au bout de 6 mois. Et j'ai vécu 4 mois au Mexique. C'était la première fois qu'on était vraiment séparés. Jusque-là, on avait toujours vécu ensemble. C'est à cette époque qu'on a commencé à s'éloigner l'une de l'autre, y compris dans nos habitudes. Les jumelles ont adopté deux styles de vie radicalement différents. Aujourd'hui, on les distingue facilement. Pourtant, les gènes responsables de l'apparence ne changent pas au cours des années. Annabelle et Gemma évoquent leurs habitudes alimentaires. Premier indice. J'achète des choses rapides à préparer. Mon alimentation n'est pas très équilibrée. Je mange pratiquement de tout, sauf quelques aliments que je n'aime pas ou auxquels je suis allergique. Sinon, je consomme beaucoup de viande et de pâtes. Moi, je fais beaucoup de sport et j'essaye de surveiller mon alimentation. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Je pense que je me nourris de manière équilibrée. En plus, j'aime bien cuisiner. Pas de doute, la qualité et la quantité de nourriture façonnent notre corps. Mais à quel point cette influence s'inscrit-elle dans notre organisme, dans notre patrimoine génétique ? Le docteur Manel Esteller travaille à Madrid, au centre de recherche sur le cancer. Il a son idée sur les origines de ces modifications. Première étape, prélever des échantillons de salive pour connaître le code génétique des deux jeunes femmes. Leurs gènes sont toujours identiques. Pourtant, quelque chose a bien changé. Les chromosomes se trouvent à l'intérieur du noyau de la cellule. Chacun d'eux est constitué d'une très longue molécule d'ADN qui contient toute l'information génétique héréditaire, les gènes. L'ADN est enroulé autour de complexes protéiques, les nucléosomes. Lors d'un processus appelé méthylation de l'ADN, de minuscules molécules, des groupes méthyl, s'arriment à l'ADN. Les nucléosomes réagissent en s'accrochant étroitement ensemble et il devient impossible de lire ces segments d'ADN. Les gènes sont inhibés. Ici, nous avons procédé à une étude en double aveugle. D'une part, nous avons demandé aux jumelles de répondre à un questionnaire sur leur mode de vie,
sur ce qu'elles mangent, si elles fument ou pas. D'autre part, nous avions leur séquence d'ADN et tous les statuts de méthylation de l'ADN. Nous avons confronté toutes ces données et nous avons découvert des différences au niveau de la méthylation correspondant à leur mode de vie respectif. L'activation et l'inhibition de certains gènes pourraient donc expliquer pourquoi des jumeaux monozygotes ne se ressemblent plus autant dès lors qu'ils adoptent un mode de vie différent. Mais qu'est-ce qui déclenche la méthylation de l'ADN, réduisant ainsi certains gènes au silence? Pour y répondre, Manel Esteyer a enquêté auprès de centaines de jumeaux et jumelles. Nous sommes tombés sur un cas très surprenant, deux frères, des jumeaux, qui menaient des vies très différentes. L'un vivait dans une grande ville et était souvent malade. L'autre vivait à la campagne et était en parfaite santé. Du point de vue de leur épigénome, ils étaient deux personnes totalement différentes, bien qu'ils aient toujours le même code génétique. C'est l'un des cas les plus spectaculaires que nous ayons rencontrés. L'épigénome est une sorte de cartographie du génome qui montre quels gènes sont actifs ou ne le sont pas. Lorsqu'il étudie des jumeaux, Manel Esteyer compare leur épigénome respectif. Voici une de ses études sur les jumeaux. Là, il s'agit de deux jumeaux qui souffrent de la même maladie. Cette ligne est droite, ce qui signifie qu'il n'y a aucune différence en matière d'épigénétique. Ces autres jumeaux présentent chacun une maladie différente. Les points qui apparaissent ici, en dehors de la ligne droite, indiquent des altérations épigénétiques. En administrant aux jumeaux malades un traitement adapté, tous les points se réalignent. Indicating that epigenetic can be changed with the right drugs. Cela montre que les altérations épigénétiques sont réversibles. Qu'est-ce qui modifie notre génome? Qu'est-ce qui peut rendre nos gènes silencieux ou soudain les activer? La nourriture pourrait bien être le facteur le plus important, car c'est elle qui fournit à notre organisme les éléments indispensables. Mais certains poisons, tels que l'alcool, jouent également un rôle. Même le fait de toucher des matières plastiques ou de fumer a une influence épigénétique. Tout comme les rayons ultraviolets du soleil et les hormones du stress. Ce sont donc divers éléments du mode de vie qui activent ou inhibent certains gènes et qui font de nous ce que nous sommes. À Amsterdam, des chercheurs mènent une étude de grande ampleur sur le rôle de l'alimentation dans les modifications épigénétiques. Ils reviennent sur l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville. Hiver 44-45, l'occupant allemand a bloqué l'approvisionnement en nourriture des Néerlandais. Il n'y a plus rien à manger. Des milliers de gens meurent de faim. Le blocus durera 6 mois. Les plus touchés, les enfants et les femmes enceintes. Le docteur Tessa Rosbaum mène une étude sur les mères de cette époque. Sa mission, découvrir les conséquences à long terme de la sous-alimentation. Loos Hoos est l'une de ces femmes. Âgée de 87 ans aujourd'hui, Loos a dû, au moment du blocus, faire la queue pendant des heures pour se nourrir alors qu'elle était enceinte. Elle raconte son accouchement. Avant l'accouchement, ils m'ont allongée pendant 3 jours dans des draps mouillés. Ça m'a causé une sorte d'infection rénale. Ensuite, ils m'ont provoqué des contractions pour que l'enfant naisse plus tôt. J'avais des douleurs atroces et il a fallu m'attacher, sinon j'aurais tout cassé. J'ai même été aveugle pendant quelques jours et je ne pouvais plus parler. J'avais la langue qui pendait jusque-là. Je ne me souviens de rien d'autre. C'était terrible. Des récits détaillés, parfois insupportables sur les conditions de vie de l'époque, qui vont permettre à Tessa Rosbaum de mieux comprendre la génération née au moment de cette famine. Des témoignages de ce genre, la scientifique en a des cartons entiers. Le matériau d'une étude unique en son genre. Nulle part ailleurs, on a pu suivre sur une si longue période les conséquences d'une extrême sous-alimentation chez les femmes enceintes et leurs bébés à naître.
Des centaines de femmes, issues de différentes classes sociales, ont été les victimes de ce blocus, ainsi que leurs enfants. Toutes ont dû accoucher dans les mêmes conditions à l'hôpital Wilhelmina. Nous avons pu obtenir les dossiers des bébés nés à Amsterdam, à l'hôpital Wilhelmina, au moment de la famine. Nous avons suivi leur évolution jusqu'à l'âge adulte et étudié leur état de santé. Nous comparons ceux qui ont été exposés à la famine durant la grossesse à ceux qui sont nés avant ou ont été conçus après la famine. S'agissant de la famille Fafiani, Tessa Rosebaum a pu rencontrer plusieurs générations. Des heures durant, elle a interrogé mère et fille au sujet de ce fameux hiver et des décennies qui ont suivi. J'étais très inquiète pour ma fille. Je me disais, il faut bien qu'elle prenne des forces, mais comment? Je ne pouvais même pas acheter de lait, qui est bien sûr très important pour un enfant. Je ne pouvais que lui donner le sein, mais moi-même, je ne mangeais pas assez. On était dans une détresse totale. Aujourd'hui, il est évident que les privations d'autrefois ne sont pas restées sans conséquences pour sa fille. À 17 ans, j'ai eu des calculs rénaux. Après, j'ai fait de l'hypertension artérielle et mon taux de cholestérol a grimpé. Non, d'abord j'ai eu un cancer du sein et ensuite mon taux de cholestérol a grimpé. J'en ai vu de toutes les couleurs. Jenny Fafiani a une santé extrêmement fragile. Je n'ai pas vraiment d'explication. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. J'imagine que ça a un rapport avec la famine. Parce que ma sœur, qui a quelques années de moins que moi, n'a aucun problème. Mon frère non plus. Dans la famille, je suis celle qui cumule tous les problèmes de santé. De toute évidence, une information liée à la sous-alimentation pendant cette période de famine s'est imprimée dans l'organisme du bébé, à vie. On peut observer que les gens qui sont nés avec un poids et une taille plutôt bas présentent des risques beaucoup plus élevés de développer certaines maladies. Par exemple, un diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire. On appelle ça les facteurs de risque environnementaux des maladies adultes. Une famine, même très grave, ne peut modifier l'ADN. Mais la sous-alimentation peut activer ou inhiber certaines parties du génome, et ce, de manière durable. C'est vraiment fascinant. Un événement qui est survenu il y a très longtemps n'a un effet biologique que beaucoup plus tard. Les modifications épigénétiques restent en mémoire dans les cellules grâce à des marqueurs très stables. Ces marqueurs sont capables de restituer un souvenir du début de la vie de nombreuses décennies plus tard. L'inhibition de certains gènes peut avoir des répercussions dramatiques, comme le montrent certaines études menées en laboratoire. Ces deux animaux sont parfaitement identiques. En ajoutant à leur nourriture une importante quantité de produits dérivés du soja, je peux modifier la couleur de leur pelage. Les hormones contenues dans le soja ont pour effet de modifier le gène qui est responsable de la couleur de la peau, donc ici du pelage. Les résultats obtenus sur des souris peuvent-ils être transposés aux êtres humains? Les aliments que nous consommons quotidiennement ont-ils une influence sur nos gènes? Exemple dans le sud de l'Inde. Pour des motifs religieux, ce groupe ethnique ne consomme aucun produit animal.
De manière générale, adultes et enfants jouissent d'une santé de fer, et ce malgré un manque d'hygiène frappant d'un point de vue occidental. Leur alimentation semble leur apporter tout ce dont leur organisme a besoin. Pourtant, si ces gens partaient vivre en Europe et continuaient à se nourrir de la même manière, ils tomberaient vite malades. La raison, les légumes que nous nettoyons avec soin ne contiennent plus les minuscules organismes vivants qui apportent à ces végétariens la vitamine B12, très importante d'un point de vue épigénétique. Dans l'est de l'Asie, les scientifiques ont découvert un autre phénomène baptisé « paradoxe japonais ». Malgré une société très industrialisée, le Japon déplore moins de cas de cancer que d'autres pays tout aussi avancés. La réponse à ce mystère, le thé vert. Une boisson extrêmement répandue au pays du soleil levant, au point de faire baisser les statistiques du cancer. Infusée dans l'eau bouillante, les feuilles de thé non fermentées libèrent une substance chimique naturelle unique en son genre. Cette substance agit sur un gène bien particulier qui, avec l'âge, a souvent tendance à devenir inactif. Le thé vert dissout les groupes méthyl du gène inhibé et le réactive. Ce gène produit alors une substance qui combat le cancer. C'est très encourageant, parce que ça signifie que chaque maladie pourrait avoir une composante épigénétique. En effet, tous les gènes du génome sont régulés par des marqueurs épigénétiques. Ces marqueurs épigénétiques pourraient-ils être également à l'origine des maladies mentales ? Une étude récente laisse à penser que cela pourrait être le cas pour la schizophrénie. Cette fois encore, c'est une famine qui a fourni l'indice déterminant. Pour remonter la piste, direction la Chine. Fin des années 50, Mao Tse-tung ordonne à toutes les femmes et à tous les hommes de travailler à la production d'acier. Trois années durant, l'agriculture est délaissée. Les céréales pourrissent. Désespérés, les gens vont jusqu'à se nourrir d'écorces d'arbres. La famine fera 15 millions de morts. Dans la génération suivante, les cas de schizophrénie doublent. Au Danemark, une autre étude a révélé que les enfants nés en été avaient moins tendance à développer une schizophrénie que ceux nés en hiver. L'homme a besoin d'une nourriture très riche en groupe méthyl, en vitamine B9 par exemple, que l'on trouve dans les aubergines, les haricots et dans d'autres aliments. Si j'absorbe ces aliments, les enzymes susceptibles de diffuser les groupes méthyl restent actives. Comme on connaît le rapport entre la méthylation et l'activité des gènes, on peut même aller jusqu'à dire qu'une consommation plus importante de certains aliments et l'activité des enzymes peuvent influer très fortement sur l'activation ou l'inhibition de gènes bien précis. Notre corps renouvelle en permanence ses cellules grâce à la division cellulaire. Aucune n'est âgée de plus de 7 ans. Et c'est la nourriture qui fournit les matériaux indispensables à un tel ouvrage. Lorsqu'une cellule se divise, elle doit réaliser un tour de force. L'ADN d'un seul être humain comporte 3,2 milliards de paires de bases. Lors d'une division cellulaire de 20 heures, plus de 44 000 paires de bases doivent être placées au bon endroit à chaque seconde. Si par manque de nourriture, les cellules n'ont pas les éléments nécessaires à leur disposition, des erreurs peuvent survenir. Certaines informations sont alors perdues. Les troubles du comportement alimentaire, tels que la boulimie et l'anorexie, font depuis longtemps partie de notre société moderne. Mais les top modèles finissent aussi par vouloir des enfants. Et qu'en est-il des vomissements dus aux nausées matinales ?
Que se passe-t-il lorsque la vitamine B9, aussi appelée acide folique, et d'autres substances dont les cellules ont besoin pour grandir, viennent à manquer dans le ventre maternel? Nous ne savons pas exactement ce qui rend les femmes malades. Certaines n'ont aucune nausée et d'autres en ont en permanence. Ça pourrait être lié à l'équilibre hormonal, mais actuellement, nous n'en savons pas plus. C'est un phénomène tellement répandu qu'il pourrait être important d'en étudier les conséquences. Dans les populations occidentales, cela permettrait de prévenir certaines maladies cardiovasculaires en améliorant la nutrition au cours de la grossesse. Comment la vie a-t-elle pu se développer sur Terre? Comment des organismes microscopiques ont-ils pu créer une telle diversité et s'adapter ensuite aux nombreux dangers et changements? C'est là l'un des plus grands mystères de la vie. Tant que l'homme n'aura pas percé ce mystère, il ne pourra se considérer que comme un miracle, un hasard de la nature. Un miracle que les lois de l'évolution, la mutation et la sélection n'expliquent pour l'instant qu'en partie. On sait aujourd'hui qu'au sein d'une génération, l'épigénétique peut réagir aux changements comme une brigade d'intervention rapide et désactiver certains gènes. L'Américain Randy Jarter a mené une expérience sur des souris gestantes. Les cobayes portent tous le gène agouti qui teinte leur pelage de jaune et rend mères et petits hautement sujets aux maladies. Mais si Randy Jarter nourrit les souris avec des vitamines bien précises, elles donnent soudain naissance à des petits en bonne santé. Les souris qui ne reçoivent aucune vitamine continuent à mettre au monde des souriceaux obèses et malades. Au moyen d'une nourriture adaptée, Randy Jarter a tout simplement inhibé le gène agouti. La plupart des maladies n'apparaissent pas à l'âge adulte, mais juste après la fécondation ou dans les étapes très précoces du développement. Elles se déclarent ensuite 10, 20 ou 50 ans plus tard. Le problème était donc de savoir ce qui relie ces deux points chronologiques. Nous avons pu déterminer que ce lien, ce sont les changements épigénétiques. En quelques années, l'épigénétique est devenue une science qui a le vent en poupe. À l'automne 2008, les chercheurs du réseau d'excellence européen Épigénome se sont retrouvés à Madrid afin de partager les résultats de leurs dernières études. Ambiance euphorique. C'est vraiment énorme. C'est une chose qui concerne les gens et par laquelle ils doivent se sentir concernés. Cela explique comment l'environnement influe sur notre génome, comment l'environnement affecte le fonctionnement des gènes. C'est d'une importance fondamentale pour tous. Ce sont de jeunes scientifiques qui ont grandi avec une conscience accrue en matière d'alimentation, qui sont à l'œuvre. Ils sont parvenus à prouver scientifiquement pourquoi certains aliments ont été très prisés par le passé. L'hiver, l'huile de foie de morue et les fruits de mer activent des gènes permettant la consolidation de notre système immunitaire. Pendant l'été, certains fruits empêchent une croissance incontrôlée des cellules, et donc le cancer. Sans le savoir, les anciens maîtres de la peinture ont immortalisé de nombreux aliments très actifs, d'un point de vue épigénétique. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis a été l'une des premières à reconnaître les vertus du brocoli. Mère de 10 enfants très faibles, dont certains sont morts en bas âge, elle a fait importer cette plante de son pays natal, l'Italie. Dès lors, tous ses enfants ont survécu. L'épigénétique renvoie à une très ancienne question. Sommes-nous programmés avant la naissance? Est-ce que toutes les informations nécessaires à notre développement se trouvent dans notre séquence d'ADN? Est-ce que cela suffit de connaître cette séquence d'ADN? Aujourd'hui,
Grâce à d'excellentes études, au décodage du génome humain et à de nombreux organismes modèles, nous savons que cela ne suffit pas de connaître notre séquence d'ADN. Il ne suffit pas de savoir que notre séquence d'ADN compte plus de 3 milliards de paires de bases et plus de 25 000 gènes pour pouvoir affirmer que telle cellule est une cellule souche, que telle autre est une vieille cellule, une jeune cellule ou une cellule malade. Grâce à l'activation et à l'inhibition des gènes, un chromosome peut atteindre de nombreuses combinaisons. Un deuxième niveau d'information apparaît ainsi, l'épigénome, un mécanisme biochimique fascinant qui rend dès lors toutes les combinaisons génétiques possibles. En Suisse, une découverte récente pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur le monde de la recherche. À l'université de Bâle, le docteur Renato Paro, un spécialiste en épigénétique, a chauffé à 37 degrés des œufs de drosophile, une espèce de mouche. Sous l'effet de la chaleur, la couleur des yeux de ces mouches change. Elles passent de blanc à rouge. En clair, si les embryons de ces mouches sont soumis à un choc thermique, au lieu d'avoir les yeux blancs, les mouches auront les yeux rouges. Mais la véritable surprise, Renato Paro et ses collègues l'ont eue en vérifiant la couleur des yeux des larves de ces fameuses mouches. Nous avons pu constater que les larves avaient elles aussi les yeux rouges, même si elles n'avaient jamais été confrontées à un choc thermique, et que rien dans leur environnement n'avait pu provoquer ce changement. Elles en ont hérité de manière épigénétique. L'hérédité épigénétique signifie que des caractères acquis se transmettent à la génération suivante, un phénomène depuis longtemps observé dans le règne végétal. Chez les plantes, on connaît plusieurs exemples où une altération épigénétique a été transmise à la génération suivante. Par exemple, certaines modifications de la couleur, des graines ou des fleurs. Je pense que l'épigénétique permet des réactions rapides. Et lorsqu'elles sont bonnes pour les plantes, elles peuvent être en partie transmises. De très nombreux processus épigénétiques observés chez les plantes se retrouvent de la même manière chez les animaux. L'empreinte génomique a été observée chez les plantes au début des années 70, puis, 10 ans plus tard, chez la souris. Des caractères acquis peuvent donc être transmis de manière héréditaire chez les plantes et les animaux. Et chez les humains ? Je crois qu'on dispose aujourd'hui de nombreuses preuves que l'héritage épigénétique existe, en particulier en réaction à des influences environnementales. Les résultats obtenus par Tessa Rosbaum semblent eux aussi aller dans ce sens. L'organisme d'un bébé né dans des conditions de vie difficiles va assimiler la nourriture de manière plus efficace. Tellement efficace qu'en mangeant normalement, il va stocker davantage de graisse, y compris dans ses artères, et sera ainsi davantage prédisposé aux crises cardiaques, par exemple. Lors des rencontres avec ses sujets de recherche, Tessa Rosbaum s'est également penchée sur la transmission des altérations épigénétiques. Ma fille a très régulièrement des infections urinaires. Peut-être que ça a un rapport avec la famine de l'hiver 44. Je ne sais pas. La scientifique veut en avoir le cœur net. Elle décide de rencontrer la fille de Gianni Fafiani. Celle-ci travaille tout près de là. À mesure que Tessa Rosbaum l'interroge, elle évoque d'autres problèmes de santé.
J'aime beaucoup monter à cheval, mais un jour j'ai commencé à avoir des démangeaisons. Au début, je croyais que c'était à cause du foin et de la paille. Finalement, j'ai appris que j'étais allergique au pollen. La fille de Mme Fafiani dit qu'elle a des allergies. Cela correspond aux résultats que nous avons trouvés jusqu'à présent. Les enfants de personnes exposées à la famine dans le ventre de leur mère sont plus sujets aux maladies, en moins bonne santé de manière générale, et surtout développent plus souvent des problèmes d'allergies. Exactement comme c'est le cas ici. Conclusion. Non seulement les gènes sont transmis d'une génération à l'autre, mais les informations épigénétiques aussi. Les bébés à naître et les nouveau-nés sont particulièrement sensibles à leur environnement alimentaire. La nourriture des premiers mois programme l'organisme pour le reste de la vie. Mais les récipients ont aussi leur importance. Les biberons en polycarbonate, par exemple, contiennent une substance qui peut, à faible dose, se désagréger. Le bisphénol A est l'élément de base des plastiques et des revêtements de produits dont on attend longévité, résistance, résistance à la chaleur, sécurité, etc. Ces produits, ce sont par exemple les casques de vélo, les pare-vues, les lunettes de sécurité, mais on en trouve également dans les CD, les DVD, les pare-brises de voiture, les téléphones portables, les appareils ménagers. Et donc les biberons. Lorsqu'ils sont chauffés, les molécules de bisphénol A s'infiltrent dans le liquide et sont consommées en même temps. Même si le bisphénol A n'est pas toxique, il n'est pas sans poser certains problèmes. L'Institut fédéral d'estimation des risques se penche depuis des années sur le bisphénol A, parce que c'est un produit chimique industriel très répandu. Nous savons que c'est une substance qui n'est ni toxique ni cancérigène, mais qui peut avoir des répercussions hormonales. En raison de sa forme moléculaire, le bisphénol A s'arrime au récepteur des œstrogènes. Ils deviennent alors actifs et peuvent activer des gènes censés être inhibés. Diverses publications scientifiques laissent à penser que des doses même infimes de bisphénol A, prises au moment de la puberté, peuvent entraîner des modifications au niveau de la croissance de la glande mammaire ou des changements dans la taille de l'utérus ou du vagin. Aujourd'hui, les chercheurs soupçonnent même le bisphénol A de déclencher une puberté précoce. Certaines ont déjà un petit peu de poitrine. Celles qui en ont préféreraient sûrement rester enfant. Moi, à 9 ans, je trouve que je suis trop jeune. Des expériences sur les animaux ont pu prouver l'influence des produits chimiques sur la maturité sexuelle. Pour les autorités européennes, il n'y a pas péril en la demeure. Même si, dans la pratique, les contenants en question finissent par être usés par les réchauffements à répétition et l'apparition des premières dents. L'un des éléments clés lors de l'évaluation des effets de cette substance, c'est le fait que le bisphénol A est rapidement et entièrement métabolisé par l'homme. Le corps élimine donc immédiatement l'hormone artificielle. Alors, comment expliquer les résultats de l'hôpital de la Charité de Berlin ? Nous sommes le premier groupe de travail au monde à avoir pu prouver la présence de la substance brute bisphénol A dans le sang des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés. La nature active et inhibe des gènes pour préparer le mieux possible le bébé à sa future vie. Certaines de ces modifications restent présentes pendant plusieurs générations. Serions-nous en train de manipuler, sans le savoir, les gènes de nos petits-enfants? Mais le bisphénol A n'apparaît pas que dans les biberons. Les revêtements de la plupart des boîtes de conserve
contiennent aussi du biphénol A, des boîtes qui, après remplissage, sont brièvement chauffées. Au moyen d'études menées sur des rats, des chercheurs sont parvenus à démontrer que certaines formes d'obésité pouvaient être liées à l'exposition aux matières plastiques. Des études séparées menées sur des animaux tentent à prouver que le biphénol A peut avoir une influence sur la production de cellules adipeuses et ainsi sur l'obésité. Gilbert Schoenfelder n'est pas le seul à s'être penché sur ce phénomène. 160 autres études mettent en garde contre les risques liés au biphénol A. Entre-temps, les fabricants de plastique ont financé leurs propres expertises. Et selon eux, le biphénol A est parfaitement inoffensif. Toutes les études qui ont été menées sur ce même modèle ont démontré que cette substance ne présente aucun risque. Il n'y a aucune raison de remettre en question l'utilisation du biphénol A dans ces domaines d'application. Ce sont de bons produits, très sûrs. Dans certains pays, on a parfois du mal à y croire. Le Canada, par exemple, a publié une réglementation qui prévoit que les plastiques contenant du biphénol A soient tenus à l'écart des femmes enceintes, des enfants en bas âge ou des nouveau-nés. C'est une décision que j'approuve. Voilà pourquoi les parents qui ne veulent prendre aucun risque privilégient des plastiques sans biphénol A ou des récipients en verre, comme aux États-Unis et au Japon. Car les substances douteuses n'ont pas leur place dans un biberon, et encore moins les œstrogènes artificiels. Ce que nous mangeons a une influence sur notre santé, parfois pour la vie. Voilà pourquoi l'alimentation des femmes enceintes et des enfants est si importante. À quel point ? C'est ce que les chercheurs découvrent peu à peu. L'épigénétique a démarré sous la forme d'une étude sur le cancer. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'elle a son importance pour d'autres maladies, mentales par exemple, comme la maladie d'Alzheimer ou cardiovasculaire, et même dans d'autres domaines que l'on étudie actuellement. Notre appareil digestif est l'un des organes les plus touchés par le cancer. À Berlin, les spécialistes en épigénétique ont rencontré des médecins de famille. Objectif, mettre le plus vite possible l'épigénétique au service de la prévention du cancer. Un dépistage précoce du cancer du côlon est une très bonne chose. C'est encore mieux quand on le découvre au stade préliminaire, avant même qu'il ne devienne un cancer. On peut pratiquement empêcher le cancer de se développer. Quand on le dépiste au stade 1, le patient a de très très bonnes chances de guérison. Le stade 1 est presque toujours curable. Au stade 4, c'est déjà nettement plus sérieux. Afin de ne pas en arriver là, à Berlin, on a mis au point un nouveau dispositif. Un échantillon de sang suffit. À partir du plasma, on extrait l'ADN du patient. Dans le plasma sanguin des patients, on trouve des fragments d'ADN qui proviennent de la tumeur. Dans la tumeur, des cellules meurent et libèrent de l'ADN. Cet ADN se retrouve alors dans le système sanguin et lorsque nous faisons une prise de sang, il nous permet de prouver la présence de la tumeur. En effet, le profil de méthylation, l'empreinte digitale méthyle de cet ADN, est différent de celui que l'on trouve habituellement dans le sang des patients sains. Voilà comment on détecte si le gène de la tumeur a été activé ou inhibé. Si le profil de méthylation est anormal, le cancer de l'intestin n'est pas loin. Le procédé est encore en phase de test, mais il présente déjà un avantage de taille. Dépister le cancer plus tôt, au cours d'un simple examen de routine. Ainsi, la médecine épigénétique pourrait un jour traiter des maladies avant même qu'elles ne se déclarent. Une alimentation correcte
peut sans doute permettre d'éviter le pire. Les superstars du régime épigénétique, l'avocat, le brocoli et la grenade dont on vante depuis longtemps les vertus. Salades, céréales et légumes verts sont d'autres excellentes sources de vitamine B9 qui jouent un rôle déterminant dans la méthylation des gènes. Des gènes qui sont également ravis de revoir certains grands classiques de la cuisine traditionnelle, tels que les haricots ou le foie. De manière générale, une alimentation équilibrée assure une santé de fer, y compris pour la nouvelle génération. Nous pensons que certains aliments sont particulièrement recommandés durant la grossesse. Les poissons gras, par exemple, sont très importants, ainsi que les légumes verts à feuilles. Nous ne pouvons pas systématiquement incriminer nos gènes pour notre comportement et les maladies dont nous souffrons. Nous avons une part de responsabilité. Grâce à l'épigénétique, nous pouvons modifier l'activité de nos gènes. Il suffit de revoir certaines habitudes en évitant de s'exposer aux diverses substances cancérigènes de notre environnement. La question de la composition de l'alimentation et du métabolisme des vitamines est très importante pour l'épigénétique. Nous serons un jour capables de comprendre comment tout cela fonctionne. Et une fois que nous l'aurons compris, nous serons également capables d'anticiper. Les médicaments à effet épigénétique, un véritable espoir. Surtout dans le domaine de la lutte contre le cancer. Les altérations épigénétiques ne sont pas aussi fixes que les altérations génétiques. On peut donc espérer trouver un jour des substances, des médicaments, en mesure d'inverser ces altérations épigénétiques. Nous sommes donc bien ce que nous mangeons. À travers la nourriture que nous absorbons, nous activons ou inhibons nos gènes et déterminons ainsi notre apparence, notre comportement et notre santé, souvent pour la vie, et parfois même pour la génération suivante. Demain, haro sur la graisse. Elle rend gras, elle rend malade, quoique. Il serait bon de dissiper quelques malentendus et de rendre justice aux bonnes graisses. Dans un instant, c'est en